m'appelle Elian Berner et je suis en première étude de licence théâtrale. Moi c'est Charlie, pareil je suis en L1 théâtre. Et du coup, est-ce que vous connaissez le dispositif des places à 1 euro offert par le théâtre, mis en place par le Théâtre du Nord ? Je te laisse parler en premier. Non, pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Moi j'en ai entendu parler, mais j'avoue que j'avais pas vraiment compris ce que c'était. Et est-ce que ce genre de dispositif, c'est quelque chose qui pourrait être susceptible de vous intéresser, si vous vous intéressez vraiment au théâtre ou... Ouais, oui, clairement, parce que ça revient très cher les spectacles à l'année. Parce que personnellement, je suis donc à la fois en licence et au conservatoire. Du coup, on a besoin de regarder pas mal de spectacles pour notre cursus. Et ça commence à revenir cher, surtout quand on est étudiant. Donc oui, c'est vachement utile, même si c'est assez risqué de se pointer au théâtre 30 minutes avant et de ne pas être sûr si on a une place ou pas, ça peut quand même être vachement pratique. Surtout 1 euro, c'est vraiment pas grand-chose. Et maintenant que j'ai découvert un peu le prix des spectacles, je suis en mode « Ah, c'est vachement cher !» Donc en soi, oui, ça m'intéresse grandement. 1 euro, c'est très peu. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif en général ? Moi je trouve que c'est une très bonne idée pour aider les étudiants surtout. Et je trouve ça super d'essayer de rendre plus accessible le théâtre. Au début, il y avait 10-15 personnes à peu près par soir quand ils ont lancé l'offre. En fait, après, avec les sponsorisations de pubs, etc., sur les réseaux sociaux, bon, on commence à en avoir quand même de plus en plus. On a déjà un public qui est très étudiant. Ça ramène des personnes peut-être qui n'auraient pas les moyens de payer un abonnement, du coup, de juste venir découvrir quelque chose ou quoi.